Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons The Secret of Monkey Island, The Light Corridor, Columns, Congo Bongo, 8 Man et la démo du groupe Red Sector qui a pour nom RSI Mega Demo. Bienvenue sur Rétrovision. Salut tout le monde, on se retrouve une fois de plus pour un bon moment de détente et de nostalgie avec le deuxième épisode de la cinquième saison. Et oui, depuis le temps que nous tournons autour des point and click, il fallait bien présenter celui qui est dans le top 5 des meilleurs jeux d'aventure de tous les temps, The Secret of Monkey Island, premier du nom. La version que nous avons choisi de tester est intitulée Special Edition. Il s'agit d'une réédition remasterisée alors que l'original était sorti en 1990 sur de nombreuses plateformes dont les plus célèbres Mac, PC, Amiga et Atari ST. L'histoire de cette saga débute alors que Guybrush Threepwood décide de devenir un vrai pirate à la mine patibulaire. Après avoir prouvé son savoir-faire en accomplissant trois épreuves, il devra se rendre sur l'île aux singes pour délivrer la gouverneure de l'île de Mêlée, sauvagement enlevée par le capitaine LeChuck, un pirate fantôme ayant un sale caractère. Le principe est toujours le même, il faut pointer et cliquer pour effectuer des actions et ainsi progresser dans l'histoire. Mais ce qui fait la renommée des Monkey Island, c'est avant tout son scénario qui vous emmène dans une quête passionnante. Mais aussi sa réalisation technique, les graphismes sont d'un réalisme impressionnant, la bande-son et les bruitages sont tout simplement irréprochables, son humour omniprésent et de bon goût, et les personnages tous aussi chaleureux les uns que les autres. D'autant plus que nous avons la joie de retrouver l'ensemble de ces joyeux lurons dans les épisodes suivants, puisque LucasArts engendra des suites évidentes au nombre de 4, dont le Tales of Monkey Island, qui clôturera la série en 2009. You know, I completely forgot about Herman Toothbrush. I wonder where my pirate friend has got to. I certainly hope he didn't leave without me. The Light Corridor sur Atari ST fait partie de la grande famille des casse-briques, sauf que celui-ci est représenté en 3D. Le but est de faire avancer une bille d'acier le long d'un immense couloir divisé en 50 niveaux. Les déplacements se font à la souris et les deux boutons servent à faire avancer la raquette à deux vitesses différentes. Une bonne dextérité est nécessaire pour éviter les obstacles disséminés un peu partout, et n'oublions pas les bonus à récupérer tout en évitant les malus.
Les balles sont perdues à chaque fois que vous les laissez passer derrière la raquette. Mais heureusement, des codes apparaissent à chaque fin de parcours. Il est tout de même conseillé d'avoir un papier et un crayon à portée de la main. Et pour celles et ceux qui voulaient exprimer leur créativité, un éditeur de niveau était sélectionnable dans le menu principal, offrant ainsi une durée de vie et un intérêt bien plus important. The Light Corridor est toujours aussi amusant avec son style rétro New Age typique de la fin des années 80 et ses bruitages électroniques vintage. Mais il est tout de même déconseillé aux amateurs de graphismes colorés et aux claustrophobes. Columns, édité par Sega en 1990 sur Mega Drive, est un Tetris-like dont le principe est d'aligner un minimum de 3 pierres précieuses de la même couleur, que ce soit en horizontale, verticale ou en diagonale. Pour les plus expérimentés d'entre nous, il existe plusieurs techniques avancées. L'une d'entre elles consiste à aligner 4 joyaux ou plus, et une autre, mais qui demande beaucoup plus d'entraînement, est la réaction en chaîne afin de faire disparaître le maximum de blocs sur l'aire de jeu. Tout comme dans Tetris, la partie s'achève lorsque les joyaux atteignent le haut de l'écran. Les musiques n'ont rien d'exceptionnel et les graphismes auraient pu être approfondis en ajoutant des images de la mythologie grecque, par exemple, histoire de donner un petit côté ancestral. Il y a bien sûr plusieurs options. Avant de commencer une partie, le mode arcade traditionnel à un ou deux joueurs, le Flash Columns qui contient déjà des rangées disposées de façon aléatoire. Ce puzzle game a fait les beaux jours de la Mega Drive, et surtout de la Game Gear, puisque Columns était vendu avec la console portable de Sega. Ah, voici mon jeu coup de cœur de la semaine, Congo Bongo. Ce jeu d'arcade sorti en 1983 est en quelque sorte la réponse de Sega au rouleau compresseur Donkey Kong de Nintendo.
Le principe est d'atteindre la plateforme où se trouve le gorille, tout en évitant les nombreux animaux sauvages qui se promènent le long des 4 niveaux, représentés en 3D isométrique. La maniabilité est très honorable, mais la gestion des diagonales demande un petit temps d'adaptation, de plus qu'un compte à rebours est là pour mettre un peu plus de pression pour finir à temps. Une fois que les 4 niveaux sont complétés, la deuxième boucle commence avec une difficulté accrue. La PCB disposait aussi de sons digitalisés, ajoutant ainsi un peu plus de réalisme. Dernier jeu de cette sélection, 8 Man, sorti en 91 sur la console Reine de la Castagne, la Neo Geo. Dans un monde futuriste, une mégalopole subit les attaques d'un méchant savant fou et de son armée cybernétique. Heureusement, deux super-héros camouflés en employés de bureau japonais, au nom de code de 8 Man et 9 Men, sont prêts à défendre les honnêtes citoyens. Basé sur le manga d'Irai Kazumasa, créé en 1963, 8 Man est un beat'em up dont la progression est divisée en deux parties. La première nous propose un scrolling horizontal sur un seul plan, et l'autre nous propulse dans une course à grande vitesse, avec un combat contre un véhicule blindé à chaque fin de niveau. Dans les beat'em up, les effets sonores ne sont pas à négliger. Ceux-ci tiennent une importance prépondérante. Et dans Hitman, on peut dire qu'on en prend plein les oreilles. Ça explose dans tous les sens et les bruitages nous donnent vraiment l'impression de balancer de sacrés pruneaux dignes d'un super-héros.
Les graphismes sont très réussis, les arrière-plans sont dignes des meilleures séries de science-fiction et les ennemis sont fort bien détaillés. Même si 8 Mile n'est pas ce qui se faisait de mieux sur la Neo Geo à cette époque, il n'en demeure pas moins un excellent jeu d'action, dynamique et défoulant. On arrive tranquillement vers la fin de cette émission. Donnons-nous rendez-vous dans quelques semaines pour l'épisode 3 qui aura pour thème science-fiction et cyberpunk. Avant de se quitter, voici la démo Amiga du groupe Red Sector, tout simplement intitulée RSI Mega Demo. On vous souhaite un bon amusement et à très bientôt sur Rétrovision. And now... Red Sector presents the TCC design. Mega Demo. It's going to be a very, very big hit. Red Sector.